Cette capitale, si souvent citée en exemple comme un petit paradis, une Danoise en a fait son fonds de commerce. Viens, on va prendre un café là. Malène Ridal est la plus française des Danoises. Elle vit à Paris, mais aujourd'hui, elle est venue rendre visite à son frère Jesper. Grâce à son best-seller, Heureux comme un Danois, Malène est devenue l'ambassadrice d'un certain art de vivre que l'on retrouve partout à Copenhague. On appelle ça le hygge. Qu'est-ce que ça veut dire, hygge? Hygge, c'est le côté chaleureux, simple, accessible, qui, dans la culture danoise, un pilier d'être ensemble, de faire des choses simples de la vie, boire du café et des sourires comme là. Se sentir chez soi, où qu'on aille, sans prétention. Les Danois sont connus pour leur humilité. D'ailleurs, dans la rue, il n'est pas rare de croiser la famille royale qui habite le quartier. Ce sont des clients réguliers de ce food truck. Où l'on y vend de simples hot dogs. Une spécialité typiquement danoise dont raffolent même les princes. Oui, c'est vrai, le prince Joachim est un client. Et quand il était plus jeune, il venait aussi avec son frère. A-t-il vagt dans les cameras? Non. Ça nous est incroyable. C'est un pays tranquille, un petit pays.